c'est bon comme ça, vous allez tous faire ce que vous avez besoin de faire maintenant, c'est bien. Voilà, Dan, je ne sais pas ce qu'il va faire. Voilà, c'est bien. Tout ça, c'est parfait, mes enfants. La ruche Minakanoïde est morte. Eh bien, le jeu veut vraiment tester nos capacités. Ce sont vraiment les ennemis les plus dangereux qu'on puisse avoir, hein, puisqu'ils ne réagissent pas à la température. Et donc, c'est pour ça que c'est très important ici, pour nous, de faire du body blocking, et surtout avec des armes contondantes. Sans armes contondantes, vous êtes en très mauvaise posture contre ces bestioles-là. Elles ont une bonne petite armure, généralement. Enfin, ils n'ont pas énorme d'armure, mais comme c'est pas facile du tout de tuer, hein, il faut taper beaucoup de fois, généralement, dedans. Alors, Marteau Zeus, bien entendu, est votre ami. IEM est votre ami. Et si vous avez des tourelles, eh bien, à ce moment-là, c'est plutôt... il serait peut-être temps qu'on ait un peu de jus, là, les gars. Merci. Bon, mes cœurs. Ici, on va arrêter de nettoyer. C'est plus la peine de nettoyer dans cette zone-ci. Ah ben, je n'ai pas fait nettoyer, ça va de toute façon. Excusez-moi, je regarde un petit peu comment on tourne et pourquoi mes cœurs ne me fait pas de... Mes cœurs, t'es quoi ? Fabrique un fusil de précision, ok, ça va. Tout le monde est au boulot correctement. On a encore 400 pour le moment, il nous en faut 700 minimum, plus... des nouveaux pièges, on manque de pièges encore, et puis il faudra faire toute cette partie là aussi que je reporte depuis assez longtemps, il faut dire. Eh bien, je suis très content de tout ce qui se passe. Je dois dire que pour la toute première fois, je suis vraiment content d'une bataille. Je suis vraiment très content d'une bataille. En plus, je ne vous ai pas fait traîner pendant 2 heures à positionner mes gens, etc. Donc, voilà. Bon, ça sera beaucoup plus facile quand tout le monde aura sa petite armure, hein, bien sûr. Bien quand... En pleine nuitée, ça va être. On verra ce que ça donnera, hein, parce que c'est autre chose. Hein. Ah, puis l'éclipse, ben c'est bien. Oh, un beau soleil. On a notre fusil. Merci, monsieur Becker. Alors, vous m'avez fait quoi comme fusil, mon ami? Excellent, parfait.
Madame Libellule, vous allez prendre ça. Un fusil équipé fusil de précision. Ok. Je vais également maintenant ça. On va le démolir. Et on va un petit peu arrêter de nettoyer. Un peu trop nettoyer. Zone. Bon, pour le moment, ça, c'est pas grave. Hein, d'en faire de trop non plus. Par contre, pourquoi je n'en avais pas ici dessus, je ne sais pas. So. Donc, toi tu as fini. Maintenant tu vas me faire, normalement j'ai besoin que tu me fasses un petit peu, bah tu vas t'échiqueter, c'est une bonne idée. En même temps, ça va te faire gonfler un tout petit peu plus ton artisanat, mais t'es encore loin d'arriver à 18 000 là. Maintenant il faudrait un casque aussi. Donc je vais plutôt stopper ceci. Bon. J'ai trois, je peux encore faire un deuxième costume d'Iron Man. Mais je voudrais d'abord un casque. Fais-moi un casque de reconnaissance. Ou bien une armure. J'ai les petits casques, on va faire l'armure plutôt. On va faire l'armure, voilà, et on va réactiver ça. Ok, merci madame Libellule, venez un petit peu vous occuper de ceci. Ah mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. Alors, il me faut maintenant une porte en métal. J'ai besoin que ça s'ouvre beaucoup plus vite. Celle-là, c'est pas important. Par contre, celle-ci, ça serait très bien aussi d'avoir une porte en métal. Est-ce que je peux au-dessus? Non, je peux pas. Par contre, je ne sais pas encore si ça marche. Donc je ne sais pas si je vais la mettre là ou là. Donc pour le moment, on ne va pas y toucher. Par contre, Libellule, viens ici, ma belle. Alors, dès que tu as fait ça, on va commencer à attaquer ces trucs-là. Attention, ils tirent plus loin que nous, hein, donc il faut faire très attention. Mais bon, Libellule a quand même une armure maintenant. Il y a un très bon casque, hein, si je me trompe. Chef d'œuvre, oui. Donc, on va espérer. Allez, on va essayer de buter ce truc. On va venir ici parce qu'on va la surveiller, de toute façon. Et on va essayer de trouver le bon moment pour faire notre attaque. Alors, toi, tu fais quoi ? Libellule, t'as aucun problème pour les buter, hein. On va attendre qu'il y en ait un qui s'en aille, voilà. Et on descend la vitesse à 1, ça. Thank you.
excellent. Il ne voit pas, il est dos. Bon, dans tu te balades, on va te faire débarrasser ceci matériel. Je vais te faire descendre ta masse. Parce qu'on va se préparer quand même si jamais il y a un petit pépin. Dan, c'est fait. T'as abandonné ta truc. Bien. Tu vas maintenant venir me prendre un flingue. Quand je dis un flingue, c'est un flingue. Ça, dans tous les cas, on le sait que c'est un flingue. Mais lequel est-ce comme flingue? J'aurais voulu une mitrailleuse. Enfin, mon truc là, comme d'habitude. Je n'en vois plus. Bon, pistolet. Cœur avec ça, on a Halo. Ah, c'est Halo qui a ça. Excellent. Toi. Tu attaques une table. Bah, c'est une bonne idée, mec. Bah, j'ai les balules qui va t'attaquer aussi, ta petite table.
Et voilà. Parfait. Ok, maintenant il nous reste juste une petite chose à faire. C'est aller buter ce qui nous reste. Et qui est-ce qui va faire ça avec toi, ma belle? Comment as-tu déjà, toi? Parce que tu as bien travaillé quand même, hein? Tu as bien travaillé. Donc pour le moment, on va te libérer. Et on va laisser un petit peu nos personnages travailler. Une fois qu'ils auront fait leurs petits travaux. On n'a plus qu'à attaquer à la fumée, mais puis on est tranquille. Je pense qu'on va prendre Decker et sa femme. Hein. Decker et Libellule. Ouais, comme ça ils seront bien tous les deux ensemble, Decker et Libellule. Je pense que toi tu vas bientôt manger, toi tu devras manger aussi. Bon, il y a deux possibilités, soit on peut attaquer directement sur le truc là. La seule chose c'est que vous devez quand même faire attention de pouvoir reculer assez vite. Et donc comme finalement ici actuellement notre ami Libellule, ben voilà, avec Becker, elle est partie, hein, donc elle va y aller. Becker, t'es parti semer un petit peu, ben vas-y, prends-moi un petit peu le flingue ici, mon petit. Voilà, m'équiper le lanceur. Et voilà, Libellule est partie manger. Becker, il devrait bientôt aller manger aussi. Pas encore. Sème, ça va. Voilà, il est parti manger. Et on va y aller. Dès qu'il a terminé. Voilà, merci. Donc, Libellule est en pleine forme. Decker aussi. Et donc, vous allez venir ici, mes enfants. On va venir tous les deux. Ma distance, on va venir se mettre ici. Votre appel à distance de ces trucs là, c'est combien ça? C'est normalement 30, 46. Donc tout le monde peut me toucher. Ça veut dire qu'on va venir se positionner là. Ok, les bellules, mais Becker, vous venez, s'il vous plaît, venez ici. Il commence à faire plus chaud, hein. Decker. Parfait. Maintenant, Decker. Je veux que tu tires non-stop ici. Puis Libellule. C'est pas vrai quoi. Pas vrai qu'il risque de me faire toucher. Dis-moi ça. T'as pu me tirer dessus à partir d'où toi? Mais ça je pige pas moi. Comment tu peux tirer alors que moi je peux pas te tirer dessus? Tu me tires à travers quoi là? Sincèrement. C'est quoi cette histoire? Un petit bug là, hein?
Et malheureusement, si on regarde bien ici, je vais pouvoir me soigner, hein, bien sûr. Shit. Il faut le faire celle-là quand même, hein. Pas de chance. Ah, les belles lunes, tu vas plutôt me tirer. Si je tire sur celui-ci, ça devrait péter tout, normalement. Et ça... Ouais. On va plutôt tirer sur celui-là, je crois. Oh, les belles lunes. Vraiment un coup de malchance, quoi. Vraiment un coup de malchance. T'es clair, tu... Ouais, ok. Plus ces trucs là pour arriver à vous tirer dessus, ça a une précision à longue distance, parce que c'est là qu'il tirait, de 10%, quoi. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à me faire pas tirer dessus à travers tout le bidule là. Bon, bah normalement je pense que ça devrait être à peu près fini. Un petit zit. Ah. Bien entendu, tout est à zéro. Ça, c'était sûr et certain. Oh, vache. Toi, tu vas me prendre ça. Non, tu vas me le réinstaller vite fait. Ici. Vache, fonce. Vache, fonce. Ensuite, vous allez me couper cette machine-ci, mon ami. Parce que je ne veux pas avoir de petits pépins de trop. Tu vas péter quoi? Tu vas péter tout ça, il n'y a plus que celui-ci, ok. Donc libellule, je suppose que tu attaques la tourelle, c'est bien, et toi,
Tu tires sur zone. Ok. Ok, bon là on aura plus ce problème là. Ok. Félicitations, mes petits enfants. Quelque chose, là, ça. C'est quand même quelque chose. Ok, Libellule, c'est bon pour toi. Decker, tu es content, mon ami? Ben oui, c'est normal. Tu es content, c'est tout à fait normal. Tu vas me ramener ça. C'est tout ce que je récupère. Oui, c'est un peu logique. Ça a explosé, donc quand ça explose, ça explose. Donc on peut remettre maintenant tout le monde en extérieur. Et voilà. Planning. Tout le monde peut repartir. Voilà. Ça, tout le monde aura quelque chose à faire. Toi, je t'ai ramené. Hein. Ouais. Donc toi, tu me prends ça. Voilà. Voilà. Nous avons terminé avec cette petite saloperie là. Deux. Ok. Ensuite ici, bah. Vague de chaleur, c'est où aussi? Une vague de chaleur. C'est pas chez nous. Sinon on la verrait ici. La vague de chaleur, elle est ici. Ah bah, ça ne me dérange pas du tout. Pour une fois, on a de la chance avec notre seconde colonie. Bon, ici, est-ce que je récupère du jus ou pas? Pas encore. Il va être temps, les gars. 23, 24, 25, ça monte. Ok. Ben, je suis content que cette histoire soit finie. Je suis malheureusement un pauvre libellule, hein, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bon. Je veux pas fort envie que tu restes là, ma chérie. Donc ces deux pieux ici, ce pieu-ci va devenir. Ne va plus être médical et tu ne vas plus être médical non plus. Et donc comme ça, tu vas te reposer autre part si tu veux. Ou si tu ne veux pas, c'est la même chose. Mais je préfère que tu restes avec ton mec. Voilà. On a encore besoin d'aller creuser là-bas. Demain matin, on remettra la lumière. Ici. Ok, Maker, tu vas pouvoir travailler ici dessus de nouveau.
Alors, il y a du jus dans les batteries. Ok, on peut te ramener. Pam 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 pam. Je pense pas que c'est chez nous non plus. Alors, est-ce qu'elles vont supporter la chaleur? Il fait que 49 ici, ça va. Elles sont combien ces tortues-là? Oh, 8, c'est pas du pire, hein? Ok. Chez nous, la faune, elle doit être à zéro. Les animaux, mes juvéniles, 26 jours. Et toi, tu n'es pas encore fenneké. Fenneké. C'est un nouveau mot pour dresser le fennec. Giro. Petite seconde, je dois vérifier quand même que mes os ne sont pas trop dans tout. Je vais où avec tout? Ah ouais, tu vois? Je vais où avec tout? Je vais là. J'avais bloqué tout ça, moi. Par contre, ici. On va déconstruire tout, enlever tout ça, hein. Tout ce qui est tout, voilà. Et on va ajouter un tramoros, ou on va retirer dans un tramoros. Non, plutôt, on va retirer dans un tramoros, on va retirer tout ce que je ne peux pas avoir, c'est-à-dire ceci. Et on va ajouter dans tout les murs pour qu'ils soient réparés. En tout cas, ceci. Voilà. Je pense que c'est bon. Ah, maintenant ils peuvent aller se promener. Vache, où vas-tu? Va t'assis. Non, tu prends pas que 20, hein. On va prendre tout. Grizzly. 72, ça c'est bien ça. Vache. 75, bien. Ah, ça fait plaisir de pouvoir recirculer dans cet endroit-là. Bon. Comment te sens-tu, ma biche? Espérons, non, 19 sur 20, elle devrait pas avoir de blessure. J'espère qu'elle n'aura pas de cicatrice. Même si ça a été très mal. Quand on voit bander qualité zéro, je pense que ça va aller, quoi. Espérons. Excellent. Tant mieux. Tant mieux. Ça m'aurait fait râler de perdre une. La main pour à cause. À cause d'un bug, parce que là c'était clairement un bug. Un bug de collision.
Rien qui traîne sur la map, moi, à part ça, non? Pense pas. Bon, beaucoup de métal là à récupérer aussi, hein, mais. À part ça, ça va. D'équerre. 9,93. Excellent. Bon, t'as quand même aussi un petit problème là de conscience à cause de cette histoire là, bras gauche. Ça m'embête un peu ton bras gauche, je dois dire, sincèrement. Ok, Maker, tu me fais quoi? J'admire les étoiles, tu as tout à fait raison, mon ami. Nous avons deux, donc on va devoir pouvoir refaire bientôt. Je dois avoir une deuxième armure, moi non? Non? Je croyais. J'ai vu de cette armure? Parce qu'elles sont mes armures, déjà. Où sont mes armures? Alors, vous voyez que ici, ça tombe à zéro, même pour la tempête d'éclair. Vous pouvez régler ça dans les options, hein, à quel moment vous voulez que le jeu se mette en pause. Moi, je dis n'importe quelle alerte, ça se met en pause. Alors, où sont mes... ah, voilà. Ça, elle n'est pas finie. Hein. Alors, pourquoi n'est-elle pas finie? Parce que tu me fais d'abord des composants avancés, d'accord? Et il t'en reste, oui. Bien que moi je veux quand même, non, je vais remettre ceci devant. Et le casque de reconnaissance aussi. Voilà. Et je voudrais savoir où est l'autre. Ça, ça me ferait quand même plaisir. C'est... Libellule, là, bah oui, tu l'as toujours, toi. D'accord, donc tu n'as plus besoin de ça, normalement, toi, ma chérie. Quand même, vérification qu'on ne se fait pas en fumée. Et on va changer nos libellules. Habits forcés, habits forcés, habits forcés, habits forcés, habits forcés, habits forcés. Voilà. Revenez tous en normal, les enfants. L'orage est terminé, c'est parfait. Bon, on a bientôt terminé ceci. Est-ce qu'on a déjà de quoi mettre... Ok. On va... Ça, ça va être notre première salle avec le truc. Et on va continuer à creuser. Et 11 sur 11, cette fois-ci, on y est. Les autres. Alors, et c'est pas du bon côté. Très bien, mon garçon. Tu as tout compris. Tout compris, mon ami d'équerre. Je suis
très fier de toi. Non seulement tu t'es trouvé une gonzesse, mais en plus tu t'es retrouvé un cerveau. Et ça, c'est superbe bien. Bon, tu t'es retrouvé un cerveau, mais tu vas quand même d'abord me prendre ça. Voilà au printemps, il fait 43 degrés, on a toujours le droit de faire pousser toutes nos petites bidules. Top, 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 top. Qui est-ce qui veut s'occuper de ça? C'est pas toi, Libellule. Il n'y a plus que Libellule que de vous? J'hésitais où? Tu médites ta petite sculpture, bah tu vas venir méditer sur ce petit lézard. Il est où mon lézard? Voilà. Voilà. Ensuite. Ouais, je sais, je voulais faire ceci. 83% et 83%, Jessie, tu peux revenir en normal. Va au frigo avec si tu veux. C'est bien, tu le mets au frigo, et puis tu vas dormir, et puis après tu iras le couper un petit morceau. C'est excellent. C'est excellent, je dois dire. Alors, ici, par contre, on va devoir bientôt stopper tout ça. Pour ne plus avoir ce zit comme on a eu tout à l'heure. Alors, si vous ne savez pas si c'est ouvert ou pas, normalement, s'il y a, il faut que ce soit un trou à l'intérieur là, ou qu'il soit mis ici, mis sous tension, off, tout simplement. On va lui demander de le stopper. Merci, monsieur. Parce que le zit, quand vous avez tout qui est pété, c'est très dangereux quand vous avez une serre, etc., etc. Là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile. On va demander de fermer cette porte. Chauve, il reste bien dehors, il est bien pépère. On avance sur notre seconde armure. Donc, Grigny, je pense que tu es parti faire quoi, mon ami? Transporter de l'acier. Tu ne vas pas me transporter d'acier. Je voudrais que tu viennes, il est 4h du matin, le soleil va se lever, mais t'as pas mangé. D'accord. C'est malin. Donc, va d'abord me chercher un petit peu de ce truc-là. Montre-toi, Grizzly. 72, parfait. Bon ben vache, tu vas. Alors, notre commande est faite. Où est-ce que tu viens de me poser ? Deux fois excellente. Je suis très content de toi, mon petit maker. Très, très, très content de toi. Très, très, très content de toi.
1889, on monte beaucoup. Tu vas me faire ça. Je pense qu'on va d'abord se refaire un petit peu de. Il te reste combien? Ouais, on va continuer à faire ce que comme tu le fais. Comme tu le fais. Ensuite. Armure de reconnaissance, tu vas m'en refaire une en plus. Mais peut-être pas tout de suite. Après, tu me feras un petit peu de ça. Comme ça. Donc, tu peux finir celui-ci, il reste 17. Ok. Il y a eu besoin de faire. Donc le truc prochain que tu me feras, ça sera normalement des sectoïdes. Des sectoïdes. Je serais pas dans XCOM, moi, un petit peu là. Ok, on a beaucoup de pierres. D'ailleurs, on va. Bien, les petits gars. Très bien, je dirais même. On met ça pour le moment, on peut l'éteindre un petit peu. Ah, je suis content. Deux superbes armures. Animaux. 2 jours. Et Giro, qu'est-ce que tu me fais, toi? T'es où, Giro? T'es où, Giro? Qui est? Ah, il est là-bas. Il est là, on le voit. T'es où? 6 sur 7. Ah. Malheureusement, il fait 50 degrés. Apaisante. Et où est-ce que ça se trouve? Oh, c'est ici. C'est bien ça. Alors, je vais avoir plein de bidules maintenant, là. Hein? Maker, t'as quoi, toi? Frénésie de mouvement, frénésie de travail et frénésie de tir. Et belle, là. Et des blocs de pierre. Dromadaire 4 a donné naissance, ça y est. Dromadaire 4 vient de donner naissance à un mâle, bien entendu, comme d'habitude. C'est quand même quelque chose, hein. Il y en a déjà buté 2, si je me rappelle bien. Il n'y a que des mâles. En tout et pour tout, j'ai 3 femelles. J'ai 3 femelles en tout et pour tout. Même chose depuis le début, j'ai pas eu. Si on a eu une femelle, je crois, non? Possible. Voilà, peut-être une. Bien. Oui. 2 jours. Ça, c'est incroyable le nombre. Ben bon, c'est les statistiques. Vous pouvez rien y faire. Oh, les copains. Oh, les copains. Ils vont venir chez moi. Normalement. Un mâme et une mânesse. Mais ils ne doivent pas se sentir très bien. On va les prendre. On va les prendre, en tout cas pour me prendre tout l'extérieur. Ok. Ah, 4 ans, 14 ans, je crois que c'est au moins 20 ans cette histoire-là, hein, quand même. Vingt-quatre.
Voilà, Alou est parti. Avec du 15, j'espère que tu vas réussir du premier coup, mec. En plus, c'est pas des bestioles difficiles à... C'est pas des bestioles difficiles à... Voilà, voilà. Hein. Et le deuxième. Et le deuxième est apprivoisé aussi, c'est fait. Ensuite, ben, vous allez tous les deux. Voilà. Mais allô, tu vas me prendre avec toi en revenant. Ici, il ne reste plus rien, je suppose. Non, il ne devra rien rester. Par contre, là, il reste. Percepteur dommages royaux, mon cher ami, bah tu vas rester comme percepteur toute ta vie. Et comment ça se fait? Non, tu passes par là aussi, mais j'aurais dit là quand même, hein, non? Bon, nourriture de la nourriture, 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 nourriture. Comment vit-on dans les nourritures? De la viande, des végétaux, c'est bien, et du lait. Ouais, bah, je pense qu'on est bien pépère. Encore un petit coup de ciseau. Oh, tu vois, j'en ai trop. 10, 20, 22. Je sais pas pourquoi j'en ai 22. Je suis là. C'est bien, c'est dommage les chachis. Ah, oh, il y en avait chier, quoi, en plus. 20 chachis. Ça, c'est intéressant parce que ça vous fait un superbe cuir que vous pouvez revendre, enfin, que vous travaillez et puis que vous revendez après. C'est un super modificateur de prix qu'il y a là-dessus. Bon, on va un petit peu mettre ceci. On va installer ça le plus proche, comme ça, voilà. Ça ne gêne pas trop pour... Ouais. Comme ça alors, voilà. On se sent pire, ça va? Là, il faudrait leur donner beaucoup d'or avant que je puisse faire quelque chose, donc c'est absolument pas rentable. Tu vas pas transporter d'acier, ma belle, tu vas dire à... Ouais, non, si, tu peux transporter. Mais, pas, car... mais pas ce que tu veux faire seulement, quoi. Hein, beaucoup plus que ça. Il reste pas longtemps en plus, hein, les impériaux. C'est des gros feignasses. Dès qu'il fait un peu chaud, hop, il se tire. Ça, c'est comique. Par contre, je voudrais bien que Decker, lui, est où? Pas trop, non. Allô? Une mélule. Decker, après, tira. Quelle heure il est? 9h? Ouais. Relâche-toi un petit peu, mec. Et puis, tu iras me faire un petit peu de... Ah, je crois que tu vas y dormir après, normalement. Loisir et puis dodo.
Marrant, tu mines calcaire. C'est le loisir. Ah oui. Tu vas bientôt aller dormir, donc on va te laisser faire. Mais après, j'aurais voulu que tu ailles miner plutôt le métal. Mais bon, il n'y a pas de presse non plus. On a 1400 de métal. Par contre, j'aurais bien voulu avoir des trucs, moi, ici. Ça aurait été quand même bien sympathique. Alors, il me faut de la luz, de la lumière. Pour le moment, il me faut une copie ici. On verra quand même plus facilement pour la construction. Donc, tu me proposes ici, il faut que je te dise de faire comment je dois faire ça. Alors, placer tous les plans requis dans la mesure du possible. Je veux tout en bloc. Alors, j'ai quoi? J'ai une ardoise. Attends. Un peu, hop, pas trop loin. Tout en bloc de calcaire. Donc, en bloc de calcaire. Voilà, ah, c'est super bien. Ils ont fait tout le boulot eux-mêmes, quoi. Alors, il y aura besoin de quoi? 6 colonnes, une table, 1x2, et 2 portes. Bon, on va déjà laisser faire comme ça, on verra par après. Il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de trucs, comme je dis toujours, des tas de trucs, des ci, des là. Donc, toi, tu vas être éteint. Et toi, tu vas être ouvert. Parfait. Le cœur va pouvoir s'y mettre.